Salut, salut! Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog. Faut dire que là, pendant les vacances, c'était bien. Mais une fois qu'on est rentré à la maison, on était tellement dégoûté d'être rentré que du coup, j'avais même pas envie de faire des vlogs. J'ai fait quelques vidéos, mais voilà. Donc, qui dit rentrée dit nouvelle année, nouvelle résolution, nouveau projet, plein de choses nouvelles, quoi, arrivent. Choses nouvelles ou choses. Ouais, choses nouvelles. Une chose. Ouais. Je suis tout le temps avec mon orthographe et ma grand-mère et ma conjugaison. Et non, mais je rigole. C'est pas parce que c'est la rentrée qu'il va falloir faire des cours en direct dans le vlog, mais bon. Donc, je disais, du coup, là, aujourd'hui, bah, je me suis dit, je vais leur faire un vlog parce que c'est vrai que ça vous manque les vlogs. Et puis, je sais pas si je vais en faire souvent là pendant l'année parce que vu que je serai toute seule, qu'ils seront tous à l'école. Bah du coup on verra. Donc je disais qu'aujourd'hui, bah, à côté de la maison, il y a le week-end, pas la journée, mais ça dure 3 jours. C'est le week-end en fait où ils font des stands, enfin il y a des stands et ils montrent tous les sports qu'il y a dans notre ville. Donc là on va aller voir les sports qu'il y a parce que Shaïn, bon on sait déjà qu'il va faire du foot, mais en général il fait souvent deux sports dans l'année. Et il a toujours pas trouvé le sport qui lui plaisait vraiment. Donc bon, il est revenu à faire du foot parce que le foot c'est ce qui lui plaisait le plus. D'ailleurs, j'aurais pu vous filmer la journée où on est parti chercher ses. Je regarde s'il n'y a pas de bordel d'ailleurs parce que depuis tout à l'heure je filme derrière. On est allé chercher ses crampons parce que c'était quelque chose. On a fait 4 fois le même magasin, on faisait des allers-retours pour essayer de trouver la taille. Ça, il n'est pas. On retournait à Decathlon, on retournait à Intersport, on est retourné à Sport 2000. Tout ça, c'est à l'opposé les uns aux autres, donc on n'a fait que ça. Et puis finalement, on est revenu au premier endroit où on avait été pour prendre les crampons du début. Donc voilà, j'aurais dû filmer ça parce que franchement, c'était du sport. Mais là, je vais vous filmer du coup ben, quelques stands, on va aller voir ce qu'il y a. Si j'arrive à filmer, c'est pour ça que je vais y aller assez de bonne heure pour pas qu'il y ait trop de monde. Parce que ben, il faut filmer quoi. Il faut filmer. Donc vous savez que moi, ici dans ma ville, filmer c'est chaud. Donc on attend Tiziane qu'elle débarrasse la table. T'as fini? T'en es où? Ouais, parce que moi je mets la table, elle la débarrasse. Non, parce que vous allez dire, pourquoi toi tu te débarrasses pas la table? Parce qu'elle a la flemme. Non, c'est parce que moi je vais faire manger, je mets la table et Tissène débarrasse. Où tout le monde? Bah, que j'étais vilaine, on aurait dit un ogre. On n'aurait pas dit tu es un ogre. Elle a pas relevé. Bon, alors j'espère que tout le monde est prêt. Shaïn, t'es habillée? Shaïn, il est avec Fortnite là, il lâche plus le jeu. Il parle avec ses amis, il en peut plus le mec, il en peut plus. On y va? Dans combien de temps? 2 heures. Oui, c'est ça. Faut qu'il finisse sa partie. Bon, en attendant, moi, je vous garde à mémoire. Hop là. Je vais me mettre un petit contour de lèvres. Ouais. Parce que j'ai mangé. Et vu que mes lèvres, ben, comme vous le savez, je les ai tatouées. Ça se voit. Hein. Mais j'ai envie de donner un peu plus de... d'intensité à la couleur. Okay. Quoi, okay. Donc je vais faire que le contour. Calmos, amigos, hein. Voilà. Le fait maquiller, pas maquiller. Mes cheveux, c'est fait. Je les ai gonflés. Tu t'habilles? Non. On va faire quoi là? Faire caca? Là tu vas faire caca? Ouais. Ah ben, on n'a pas fini. Bon allez, on se retrouve dans la voiture. Bon, tu comptes te lever ou pas? Non. Tu vas t'habiller? Non. Regardez le t-shirt qu'il a. Attendez, faut que je vous montre. Arrête, tu arrêtes pas de me changer les couleurs. Regardez le t-shirt qu'il a. Bon, faut on voit les bras. Alors ça, c'est un pyjama que je lui ai acheté l'année dernière. Il aime tellement ce pyjama. Il avait 2 gros trous dans les coudes. Ben il a coupé les manches. Par contre il a un trou là, juste devant là. Ah ouais, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Allez on y va. Ça c'est tout moelleux. Oui c'est tout moelleux, allez. Allez. On t'attend. Ah, tu me refais le lit. Tu me refais le lit. Dépêche-toi, tu rentres ça dans le coin.
Toi avec tes moches chaussettes, sors tes pieds. Comme il faut. Allez, tu vas t'habiller, on y va. On vient de remarquer quelque chose, Shaïn. Non. Shaïn a de l'acné. Tu sais, Shaïn a de l'acné. Mais oui, je te l'ai dit l'autre fois. T'as de l'acné qui commence, ça y est, t'arrives à en sixième, t'as de l'acné qui arrive. Non, c'est pas vrai, c'est pas de l'acné, c'est des boutons de chaleur. L'acné. Bon, on arrive, c'est ici. Vous voyez, il y a des petits jeux et tout. C'est trop bien pour les enfants. Ouais. Stop, stop, calme-toi, calme-toi. Calme-toi. C'est bon, tu peux couper. C'est bon. Bon, je vous dis, je sais pas si je vais filmer, mais je vous filme un bout déjà. Regardez, là ils font l'initiation en boxe. Tizen, c'est pas ça que tu voulais faire, l'initiation en boxe? Non, je veux pas faire de l'initiation en boxe, je veux faire de la boxe. Voilà. Donc je sais pas si je vais filmer, j'ai un peu honte dans ma ville. Il y a les scouts là. Donc on va voir, hein. Je vous dirai ça tout à l'heure. Ah, regardez la femme là. Je sais pas si c'est de la danse espagnole ou du Pérou, je sais pas du tout. Donc là c'est le King Fighting, c'est ça? King Fighting et la section de Cameret. Ok. Hello Tissen. On peut les applaudir, merci de cette association La Fille de Jeanne. Alors on les a, La Fille de Jeanne, sur le stand numéro 29. On va aller voir le... SKH. On va aller voir le sport... Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Le sport là qu'on va aller voir? Ouais, le kick fighting. On va aller regarder pour Tissen et Shaïn. C'est bon, on est parti. Bon, j'ai pas trop filmé parce que Tissen avait honte. Hein, Tissen? J'ai pas honte. Si, t'avais honte. À chaque fois que je sortais l'appareil photo, elle se cachait. Donc là, on est parti. On s'est renseigné pour plusieurs sports. Plusieurs sports, on va voir. Ils vont faire des essais. Tissen, tu vas faire quoi toi? La boxe. La boxe? Pourquoi il y a ça sur l'écran? Ah, il est sale mon objectif. Ouais. Et toi, Shaïn, tu veux faire quoi? Alors. Il est gentil. Et on a crevé de chaud. On a... Franchement, j'ai la rémoite. Hein. T'as la rémoite toi aussi? Ah, la rémoite, surtout tu t'es chié dessus. Ouais. Ah non, je me suis pas chié dessus. Oh, mais. Tire, elle a eu l'arrêt. Tissen aussi, elle m'a dit, je crois que je me suis pissée dessus parce que j'ai trop chaud. Elle s'est pissée dessus à l'arrêt. Bon, elle est là, bah, du coup, on rentre. Ouais, allez, on va voir ciao. Ce qu'on va faire. Allez, ciao. C'est à la vie, ça baby, parce que j'ai trop chaud avec le bras. Maintenant qu'on est rentré, je bois parce que j'ai soif. Qu'est-ce que j'ai soif? Je suis desséchée. Ah, c'est bien frais, du coca light. Je vous dis bien light, bien frais. Parce que j'ai recommencé le secret du poids. Ça fait 3 jours. Donc là, je m'y tiens. Il faut que je maigrisse là. Parce que j'ai quelque chose qui va se passer là dans ma vie. Il faut que je maigrisse avant. Là, ils vont se poser toutes les questions du monde. Hein, Tissen? Ouais. Après, je vous explique. Elle arrive. T'as fini tes gâteaux? On va bientôt l'assassiner. Et on lui a acheté un cercueil trop petit pour sa masse. Il faut qu'elle perde du poids. T'as vu comment t'es une connasse avec moi? Pas dans son cercueil. T'as vu comment t'es une connasse avec moi? Tu vas me porter là. Imagine, je meurs demain. Tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu vas même. Si je meurs, tu vas te suicider. Tu vas venir avec moi. Non, on rentre pas à deux. Ah, ça c'est sûr, hein. Bon, mais là, qu'est-ce que je vais faire? Franchement, il fait trop chaud. On peut rien faire. Hier, on est allé chercher. Et attendez, je vais vous montrer. Quoi? Hier, on est allé chercher des gâteaux. Parce que voilà, on avait envie de faire des petites pâtisseries. Et en fait, regardez. Tissen, elle a mangé, là il en manquait, il y en avait une ou deux de plus. Tissen, elle a mangé une part de chaque. Regardez, elle a coupé une part de chaque. Regardez. Non, mais c'est pas manger un de chaque. Hein. Arrête de mentir, t'as mangé une part de chaque. Ouais, mais parce que je suis économique, ça me fait un entier au lieu d'en manger. Moi, par contre, après, je vais manger du cheesecake si ça te dérange pas. Ouais, parce que... Parce qu'il y a juste un petit bout, j'ai droit. Par contre, alors là, on est dégoûté parce qu'on achète cette plante. Vous savez, c'est les plantes carnivores là qui mangent les bêtes là, elle est morte. Ah, c'est bon, on peut la jeter. On n'a pas compris. On nous a dit qu'il fallait toujours qu'elle soit dans l'eau, humide, au soleil et tout. Quoi? C'est bon. Et en fait, finalement, ben, on a tout fait ce qu'il fallait. Elle est morte.
Regardez les clafoutis que j'ai fait. Ouais, ben ils ont pas trop une texture. Hein. Mais si, arrête de mentir. Et quoi en bas, regardez. La vraie texture du clafoutis, c'est ça. Oui, mais parce qu'en fait. C'est un truc dur comme ça. Ben oui. Au-dessus, c'est mou. Mais oui, parce qu'en fait. Peut-être j'aurais dû les mélanger. Parce qu'en fait, quand j'ai mis les cerises, j'ai pas mélangé, j'ai laissé comme ça. Et je pense que le jus des cerises, il est remonté. Oui, parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Attendez, on y va. Attendez, je finis mon verre, j'ai soif. Regardez ce que j'ai acheté. Vous montrer. J'ai acheté la... Bon, là, il y a le cookie au devant, j'ai pas de place. J'ai acheté la multidélice. Franchement, c'est une tuerie. C'est une tuerie cette machine, on peut tout faire, les gâteaux, les soufflés, les œufs. Comment ça s'appelle? À la coque, mais c'est pas la coque, je sais plus comment ça s'appelle. Les œufs, vous savez, faut confiture dans l'eau là, voilà, dans l'eau de bain-marie. Les gâteaux, on peut faire, je l'ai dit, les gâteaux yaourt, les cakes, les flans, les clafoutis. Qu'est-ce qu'on a fait? Les crèmes aux œufs, les crèmes catalanes. Franchement, on peut tout faire avec cette machine. Je suis trop contente. Regardez, j'ai la vaisselle à faire. Les yaourts, ils sont bons. J'ai la vaisselle à faire. Et aussi, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté qui est trop bien. Attendez, laissez-moi passer. T'achètes tout le temps des trucs. Ah ouais, j'arrête pas d'acheter des trucs. Déjà, j'ai acheté cette montre, je suis trop contente. Ma petite montre là qui me donne l'heure et qui me donne tout ce qu'il faut. Mais sinon, j'ai acheté. Par contre, on n'a toujours pas le frigo qui est réparé. Regardez, on a acheté un vieux frigo. J'ai acheté ça. Vous voyez, pour les... Je l'ai acheté à la Forfouille, je l'ai acheté à 5 euros. Non, 4 euros je l'ai acheté. Pour c'est l'eau pour faire... Ah, comment on appelle ça déjà? Infuser les fruits. J'ai mis des oranges, de la menthe, du citron. Voilà, vous voyez, on a un vieux frigo quoi. Vrai frigo, regardez mes yaourts. On a un vieux frigo en attendant parce que le nôtre il est réparé mais ça, on ne sait pas encore s'il va fonctionner. Donc on n'a pas encore... il est branché et tout mais on n'a pas fini de voir s'il fonctionnait. Donc voilà, ben là je vais me changer parce que j'ai trop chaud, je vais m'enlever la robe là parce que franchement c'est une misère cette robe. Enfin non, quoi que c'est pas la robe, c'est les collants, j'ai trop chaud. Franchement, depuis tout à l'heure je te vois manger. Boire de l'eau c'est la base. Buvez de l'eau les amis, c'est hyper agréable. L'été, hein, passe pas l'hiver, l'hiver boire de l'eau c'est un supplice. Depuis tout à l'heure je te vois manger. Pas vrai. Je m'étais pris du gâteau. Il y en a deux qui ont disparu dans l'estomac de... De ton père? Ouais, de mon père. Il m'a mangé la moitié de mes gâteaux. Du coup, ben, vu qu'il a mangé mes gâteaux, ben, faut se rattraper, je prends la route. Ah, c'est ça. C'est quoi cette excuse de balle, là? Non, c'est vrai, elle est arrivée, elle a pioché dans mes gâteaux. Bon, là, on va tourner une petite vidéo, mais une vidéo où on est assis, quoi, pas un vlog. Pour mercredi. Moi aussi, il faut que je fasse une vidéo, d'abord pour moi. Non, d'abord c'est moi, je vais annoncer ma petite nouvelle. L'autre fois, je vais leur annoncer les changements qu'il va y avoir là, début d'année, sur ma chaîne. Un changement important. Ah oui, c'est bon, je vois de quoi tu parles. L'autre fois, elle m'a arnaqué. On devait faire une vidéo ASMR pour sa chaîne, une vidéo ASMR pour la mienne. Bon, on l'a fait la mienne. On a fait la sienne, une fois que c'était la mienne, on avait plus le temps, hein. On fait une playlist. Pour ma chaîne. Non, pour la mienne. Maman, toujours la chaîne là. Non, mais toi, t'as plein de vues, toi, t'as 60 000 vues, 80 000 vues. Moi, les gens, ils m'aiment pas, moi. On fait une playlist tes musiques, une playlist mes musiques. Mais moi, j'ai pas de musique, moi. Arrête ou je te montre à poil. On a vu la zézette. Bon, on va voir ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire une petite playlist. Bon, du coup, là, j'ai préparé mon ring pour la vidéo. Là, on va faire une petite playlist. Là, je vais mettre ce haut. Ensuite, je vais vous faire une autre vidéo. Ça sera ce qui va changer la rentrée sur ma chaîne. Bon, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Il y a un truc qui va changer. Et ensuite, je me change évidemment pour faire, parce que sinon vous allez dire, c'est tout un programme en fait, hein. Ouais, je me change parce que si j'ai tout le temps les mêmes mots, des fois je me change pas, mais là aujourd'hui je vais me changer, je vais faire deux hauts différents. Et alors des fois, je fais la playlist là, sur mon lit, et là, des fois, je le fais là avec ma petite commode, là, vous voyez, mes petits décors par derrière, j'aime bien, ça change. Des fois je la fais là avec mon arrière-plan, moi c'est ma coiffeuse qui est un petit peu en bazar. Et voilà, j'aime bien changer de temps en temps. Bon, t'es prête Tissane ou pas? J'ai préparé la petite liste pour la playlist. Et puis voilà, le ring est là, la baffe elle est là, tout est prêt.
et mon téléphone. Il est là pour pouvoir mettre les musiques et ma batterie est en train de charger. Donc tout est bon, on peut y aller. Mais là, j'étais en train de rechercher si j'avais une carte pour mon appareil photo. Regardez ce que j'ai trouvé dans une carte. Regardez Tiziane et sa frange Bieber, s'il vous plaît. Regardez-moi ça. Regardez. Ça, c'était nous il y a très longtemps. Ça, c'était moi et Chachouna il y a très longtemps. Regardez-moi les sourcils, s'il vous plaît. Les sourcils et Chahine. On aurait dit qu'il s'était fait piquer. Le manteau, il est trop petit, je crois. Les sourcils. Et là, je faisais ma belle. J'avais un iPhone. Les premiers iPhones. Ah, j'avais les sourcils noirs. Ça, c'était mes vrais sourcils, ça. Ça, c'est mes vrais sourcils. J'avais les sourcils super noirs avant. Les archi pleins. Waouh, j'ai cliqué au hasard. Regardez sur quoi je suis tombée. C'est rouge, pareil. Arrête, là. Chachouna et mes lunettes. Oh non, de Jess. Ouais. Non, mais regardez. Bon, ça, c'est où on habitait avant, aux HLM. Hein, donc, le sol, c'est normal qu'il soit comme ça. Regardez comment j'étais maigre. J'avais mis des habits en vente sur le bon coin. Regardez comment j'étais maigre. Attendez, attendez. Oh, regardez comment j'étais maigre. Tiziane. T'as vu comment je suis maigre? Enfin, je suis bien foutue, quoi. Regardez-moi la bombasse que j'étais avant. Oh, ah, c'est gros. Ben, bah, s'il te plaît, j'avais trouvé que ces chaussures-là. Ça, qu'est-ce que j'aimais ces chaussures avant? Non, mais c'est maintenant, c'est plus la peine, les chaussures comme ça. Ces chaussures des stars de la télé-réalité, ça. Chaussures bleues, s'il te plaît. J'étais habillée tout en noir. Mais regardez comment j'étais bien foutue. Et encore, j'avais des formes. Hein. J'étais pas si maigre que ça, mais j'avais moins de hanches. Hein. Réponds pas, surtout. Regardez-moi ça. Avec le HLM, là, tout qui pendait. Les prises pendaient, le carrelage. Heureusement, mon lino, il brillait quand même. Hein. La plus belle pièce ici, c'était le salon. Tu te rappelles? Ouais. Il était tout rouge et noir, c'était trop beau. Ah, bon, allez, c'est parti. T'es prête? Allez, on y go. Voilà, donc après la playlist, nous avons mangé. Là, je viens de me faire griller 4 petits chamallows à 69 calories les 4. Ça sera mon dessert. Ouais, parce qu'aujourd'hui, je reste un petit peu dans les quotas. Voilà, puis on regarde une émission bien cucu la praline, ça s'appelle. Les vacances des anges. Les vacances des anges, donc du coup, on savait pas quoi regarder. Du coup, j'étais en train de regarder comment ça se passe. Là, on est au premier épisode et franchement... Non mais les gens ils sont vraiment si cucu que ça la télé ou dans la vraie vie ou ça se passe comment ou c'est surjoué, je sais pas. T'en penses quoi? J'aime pas la télé-réalité, ils sont positifs. Ah non mais là ils sont pas très fut-fut on va dire. Hein. Ils s'y croient un peu trop. Hein. Ouais, ils s'y croient beaucoup même. Hein. Je sais pas, on a l'impression qu'on est en train de regarder le palais royal quoi hein, à la télé. Attention, ça rigole plus. Hein. Moscou. Vous montrer comment ça faisait. Et ça me reste dans le coin de la tête, je suis obligée de le dire. Je suis obligée, c'est plus fort pour moi. Donc, voilà, bien grillé sur le dessus, au même fondant à l'intérieur. Un dessert qui cale bien et qui n'est pas très calorique. Ouais. Moi, du coup, là, je me suis carrément couchée. C'est tellement con qu'on regarde la suite. Salut. En fait, même que c'est bête, Maman. Mais oui. Salut. Coucou. Comme c'est prenant, ben on regarde quand même la suite. Mais il y a un truc qui me fait rire, on était en train d'en parler avec Tiziane, c'est qu'ils font les gens qui sont propres. Ouais, moi je me douche, moi si, moi ça, il n'y a pas de douche. Mais tu vois... Qu'est-ce que tu fais avec ces sourcils? Je sais pas. Mais tu vois les filles, elles se couchent sans se démaquiller, s'il te plaît. Alors tu fais la fille propre, mais tu ne te démaquilles pas. Je sais pas si vous avez regardé E égale M6 aujourd'hui qui parlait justement des gens qui se démaquillaient pas. Enfin les filles quoi. Enfin les filles non, il y a même des mecs qui se maquillent, qui mettent du fond de teint ou quoi. Elle a dit il n'y avait pas la jante pour dire il n'y avait personne. Il y a, voilà, je disais donc il y a des gens qui se démaquillent pas et franchement ça fait des dégâts sur la peau. Ouais, moi je peux pas dormir sans me démaquiller, c'est impossible, impossible. Ah non, je peux pas. Donc voilà, tu fais la... Il faut les gens propres mais ils se démaquillent pas s'il te plaît. C'est quoi ça? Ah, les critiqueuses de service là, ça y est, on fait les commères là. Bonjour, Rosette. Très bien. Ferme. Je vais te dire un truc, vite. Ah, attendez, elle va me dire un truc. C'est secret. Bon, voilà, du coup, la journée est terminée. Donc, on va se laisser là, je vais me démaquiller. Oui, je vais me démaquiller. Parce que moi, je ne peux pas aller au lit sans me démaquiller. C'est impossible. Mmh.
Je marine prune. Oula. Ça a sauté. Encore. Je me démaquille. Et je fais le montage de la vidéo. Pour demain. C'est vite fait chez moi. Je vous ai pas parlé. Déjà, j'ai la couleur à faire. Je crois que la semaine prochaine, je vais la faire. Je vous ai pas parlé. Ah, je me bave dessus. Mais, attendez, j'enlève mes boucles d'oreilles. Je sais pas si je vous l'avais dit. J'ai utilisé une crème pour les taches, qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui a fonctionné. Et là, en ce moment, je sais pas, j'ai l'impression que je vois du résultat. Attendez, parce que j'ai le petit truc là que je vais perdre. J'ai l'impression que je vois du résultat, je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Mais là, dans la caméra, j'ai l'impression qu'on voit plus mes taches que là, dans le miroir. Mais là, je suis en train d'utiliser la Clairmine. Alors la Clairmine, c'est une pommade qui arrive tout droit du bled. Donc en ce moment, j'utilise ça. Normalement, ça fonctionne. C'est une pommade en fait qui combat les hyperpigmentations inesthétiques acquises. Donc moi qui ai des taches, on va voir si ça me fait quelque chose. Alors par contre, alors il y a quoi dedans? Bêta hydroxyacide, acide de fruits, durée et de vitamine C. Actif dépigmentant, hydroquinone à 2%. Donc en fait par contre je vous dis qu'est-ce que ça sent? Ça sent le produit à permanente. Voilà, ça sent le produit à permanente par contre. Ça sent pas très bon. Donc voilà. Et aussi je continue toujours mon revitalage qui me fait des longs cils. Voilà. Allez, je vais vous laisser. Je vais vous dire bonne nuit. Et puis on se retrouve dans un prochain vlog. Bisous. Fire when the strobe hits you.